C'est la tradition depuis plus d'un demi-siècle. Pour célébrer l'automne, les jardins de la Quenexie endossent leurs habits de fête. Pour la 51e édition, le site Mosellan, l'une des 7 propriétés du département, avait fait le plein d'exposants. 70 recensés précisément, saveurs à croquer ou à boire, embellissement des espaces verts, plantes, fruits et légumes pour une production personnelle ou simplement pour la décoration. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les envies. Car la demande est forte. À l'image du bricolage et de la décoration intérieure, le jardinage s'est considérablement démocratisé ces dernières années. L'effet 35 heures, durable, la greffe a bien pris. Le jardinage, c'est du bien-être. Il faut bien voir aussi qu'on jardine pour se sentir bien. Alors, se sentir bien chez soi, s'évader. Alors, on a une vie qui est très stressante. On est en permanence, on a des téléphones portables, on a des emails, on est en permanence connecté. Et donc, ce qu'il faut tout simplement, c'est qu'on puisse retrouver un petit peu la nature. Et le jardin en fait partie. Pour nous, on a souvent l'habitude de nous dire « vous travaillez dans un lieu paradisiaque », ce qui est vrai. Et surtout, vendre du plaisir, vendre du rêve à nos visiteurs, c'est aussi notre leitmotiv. Malgré la pluie, invité du week-end, la fête des jardins de la Quenexie a rencontré un franc succès auprès d'un public qui sait bien que la nature a toujours le dernier mot. Pour cette nouvelle édition, l'équipe des jardins fruitiers a proposé de nombreux décors naturels, dont une mosaïque de pommes et une exposition de pommes marquées. Le site Mosellan est l'un des 3 au monde à réaliser cette technique. L'ambition, c'est la qualité. Je crois que les habitants, les touristes, les visiteurs apprécient la qualité. Et Pascal Garbe et son équipe sont attachés à la qualité à la fois des espaces, la qualité fruitière, la qualité d'organisation, la qualité de l'accueil, la qualité gastronomique, puisqu'on a un restaurant de grande qualité aussi. C'est tout cela qui fait cette richesse et qui fait que ces jardins montent en puissance aujourd'hui et qu'ils deviennent un haut lieu touristique. Parce qu'il donne également de l'attractivité à la Moselle. Nous mettons en avant nos 7 sites naturels et culturels. Et très naturellement, les Jardins de la Quenexie représentent l'une de ces pépites touristiques et culturelles de Moselle.